D'un conflit acharné qui avait si mal débuté pour notre pays.
les Alliés découvraient l'horreur des camps de concentration. Afin de ne plus jamais vivre de telles atrocités, le monde occidental créait l'Organisation des Nations Unies. Nos dirigeants s'engageaient résolument dans l'aventure de l'Union européenne. Ces actions courageuses et visionnaires à l'époque ont permis à notre pays de vivre la plus longue période de paix sur son sol de toute son histoire. C'est aujourd'hui, dans cette belle ville de Cambrai, que nous commémorons ce 8 mai. Point final d'une guerre, mais point de départ d'une période de paix, cette paix que nous souhaitons tous pour notre continent. Si le 1er régiment d'infanterie célèbre cette date ici, ce n'est ni un hasard, ni une simple habitude, ni même une politesse. C'est que notre régiment, dont les lointains ancêtres étaient de la voisine Picardie, a été cambraisien durant 70 ans. Le régiment a combattu sur l'Escaut. La ville de Cambrai lui donnera en 1968 son insigne actuel et son refrain. Revenons en 1942. Lorsque Vichy ordonnait la dissolution de tous les régiments, c'était sans compter sur le colonel Bertrand, alors chef de corps du 1er régiment d'infanterie, dont nous avons honoré hier la mémoire et qui a tant aimé sa garnison de Cambrai. Refusant la défaite et le déshonneur, il convainc ses officiers et ses hommes, et c'est ainsi que le 1er régiment d'infanterie sera le seul régiment de métropole à entrer au complet dans la résistance au sein du maquis du Berry, où il connaîtra les espoirs, les doutes et au final la victoire dans l'honneur. C'est grâce à lui et au courage de ses soldats, dont nombre étaient cambrésiens d'ailleurs, que le drapeau que vous voyez ici n'a jamais été pris par l'ennemi. Un régiment, c'est un héritage. Et à Cambrai, l'héritage de ces combats, de cette victoire de la nation française, c'est une flamme. Une flamme qu'entretiennent la Fleurus et son musée militaire Pierre Cousin ici à Cambrai. Ce sont des souvenirs que font vivre la ville, les écoles et les associations. Nous nous devons d'honorer la mémoire de nos anciens, car ils nous enseignent l'amour de la patrie, le sens de l'honneur et le sacrifice. La date du 8 mai doit également nous rappeler que la paix a un prix et que chaque citoyen doit conserver au fond de son cœur la flamme de cet héritage. C'est aussi le sens de la remise des képis aux plus jeunes de nos soldats de Picardie, à laquelle vous allez assister. Passage de flambeau aux jeunes générations de soldats. Alors, portons haut les couleurs de notre drapeau et de cette amitié indéfectible entre le 1er régiment d'infanterie et sa chère ville de Cambrai. On ne relève pas Picardie. Fermez le banc. Mise à l'honneur, gagnez votre emplacement. Voici aujourd'hui rassemblés devant nous au terme de votre formation initiale. Celle-ci aura duré 6 mois, durant lesquels vos cadres vous auront dispensé une formation militaire riche, technique et tactique, physique et morale. Le but de cette formation est de vous préparer à la nouvelle vie que vous avez choisie, faite de rigueur et de discipline et d'effort, mais aussi d'amitié et de camaraderie que vous découvrirez en rejoignant votre compagnie. Si vous avez parfois ressenti quelques doutes, votre présence ici, à cette cérémonie, qui est aussi la vôtre, prouve que vous avez su les dissiper et que vous abordez l'avenir avec confiance et conviction. Dans quelques instants, solennellement, vous coifferez vos képis pour la première fois. Ils sont le symbole de votre engagement. À ce moment, vous serez soldat de métier, susceptible d'intervenir à tout moment, partout dans le monde, au service de la France et des Français. À ce moment, vous coifferez le képi qui est la marque du soldat français. Cette coiffe, portée jusque dans les tranchées de nos anciens, est le symbole de l'excellence de l'armée française. Il est reconnu partout dans le monde. Comme les anciens du 1er régiment d'infanterie, nos parents, nos grands-parents, nos anciens, qui se sont illustrés dans les batailles dont les noms figurent au drapeau, soyez fiers de faire partie de cette collectivité militaire. Jeunes engagés, faites honneur à ce képi et soyez dignes de ce qu'il représente.
N'oubliez jamais ce qui fait de vous des soldats du 1er régiment d'infanterie, du plus vieux régiment de France, ni ses devises, fidélité au passé, exemple pour l'avenir, et on ne relève pas Picardie. Remettez les képis. Monsieur Raymond Liédou, sous-préfet de l'arrondissement de Cambrai. Mesdames et messieurs, je vous donne lecture du message gouvernemental de monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de madame Patricia Mireles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. 8 mai 1945. Il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est enfin la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre une armée, mais aussi contre l'idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos Outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. Les preuves présentes n'ont pas terminé. Les voici trop loin sont les suites d'un feu grave de notre histoire. On dit que le général de Gaulle est français libre. Les Français ont fait payer dans son message du 14 juillet 1945. La résistance survit partout en France. La source de l'issue finale du combat s'engage dans l'élaboration de ce qui unira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un destin pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe. Renouer avec la démocratie, hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par famille entière dans des convois vers l'Est qu'un holocauste achevé. C'était l'esprit exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Mise à l'honneur, rejoignez les rangs.
reposez. Homme, repos. Au revoir. Présenté. Homme, dispositif préparatoire au défilé. Oh.